Moi, je m'appelle Abdou Cissé. Je suis le directeur de la troupe Hanna de Gao. C'est une troupe privée qui évolue en tout cas dans plusieurs cadres, mais cette fois-ci, ils sont venus avec une pièce de théâtre pour participer aux journées de Guimba, les festivités de Guimba. Cette troupe a existé depuis 79. Oui. 79. 79. Avec moi. C'est vieux ça. C'est vieux. D'accord. Mais comme je l'ai dit, les gens, beaucoup sont partis présentement avec des jeunes. Mm-hmm. En même temps que nous faisons du théâtre comme ça, on fait de la musique, on fait de la danse. Comment est-ce que vous avez entendu parler donc des journées? Bon, les journées, c'est par l'intermédiaire du directeur de la culture, qui aussi a été informé par la direction nationale. Et on m'a fait parvenir un document dans lequel il y a tout le plan d'action presque des activités des journées théâtrales de Guimba. Alors j'ai été intéressé, j'ai dit vraiment je souhaiterais y participer. Pour vous, Guimba, c'est qui? Guimba, c'est un repère pour tous les dramaturges, tous ceux qui veulent faire vraiment du bon théâtre et surtout qui veulent vivre de leur art. C'est comme ça que nous voyons Guimba. C'est un nom de culture. Hein, qui, tout ce qu'il fait, même si c'est un peu, c'est bon. Et ça apporte. C'est-à-dire que ça apporte... ça permet de façonner sa personnalité, ça permet à quelqu'un de quitter, même quand il est malade, hein, avec ce humour et tout, ça te permet d'être toi-même, hein, de te sentir bien dans ta peau. C'est ça, Guimba. C'est comme un médicament que tu apportes pour un corps malade. Voilà. Et nous, quand on voit Guimba, on a même, surtout au nord, nous, quand nous voyons Guimba, on l'entend, c'est pour nous, c'est, même s'il y a le son du fusil, on n'a plus peur. Parce que ça chasse la peur. Hein? Donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est quelque chose, pourquoi nous sommes grippé à ce théâtre-là, et Guimba, vraiment, c'est une chance pour nous au Mali. Comment est-ce que ça s'est passé pour écrire le texte? Alors, le texte, vu que nous vivons une situation de crise, pratiquement dans le nord, à Gao, où on sait qu'il y a beaucoup de difficultés de vie entre population noire et Tamashek, parce qu'il n'y a plus de confiance. Il fallait sauter sur ce thème-là et puis l'écrire de manière que puisse remettre la confiance entre les gens. Qu'il y ait vraiment une vraie paix. Et pour avoir une vraie paix, il faut sincèrement que les gens aient confiance les uns aux autres. Et qu'ils ne puissent plus se rejeter, qu'ils s'acceptent pour pouvoir vivre ensemble. Et c'est ce vivre ensemble qu'il faut cultiver. Et pour nous, ce n'est pas en allant de porte en porte même le faire. Peut-être le théâtre, c'est un élément qui est là, qui sert de moyen pour permettre aux gens, en tout cas ceux qui parviennent à l'assister, même si c'est à travers un film, à travers je sais pas, un élément, c'est quelque chose qui permet à ceux-là de comprendre que c'est nécessaire pour nous et c'est même obligatoire que l'on vive ensemble, que l'on s'accepte. Voilà. Et est-ce que vous pensez que le théâtre peut être plus efficace que les grandes réunions internationales? Il n'y a pas mieux que le théâtre. Ça, moi, j'ai été sur plusieurs terres. Cette petite troupe-là que vous avez vue, même nous, on n'a pas eu de financement, on n'a rien, hein, mais nous avons œuvré. Nous savons que nous avons beaucoup fait dans les environs de Gao. Avec cette jeune troupe que vous avez vue, pour amener les gens à se retrouver, à s'accepter, à avoir confiance les uns aux autres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette affaire.
Hein. Et même quand il y en a qui sont là-dedans avec le théâtre, ils sont découragés. Parce que ce décourage, ils comprennent qu'ils ne sont pas en train de faire une belle chose. Il faut qu'ils retournent en arrière. Donc nous, on trouve que c'est le théâtre est les meilleurs moyens. Sinon, les rassemblements, là, les réunions, tout ça, là, c'est des façons d'aller se retrouver pour causer autour d'une table. Ce n'est que quelques éléments qui sont là. Le théâtre peut être un élément qui va aux populations, hein, et pour véhiculer la bonne nouvelle à travers seulement un jeu d'ensemble, montrer la beauté d'être ensemble. Hein, alors que de se rester parler, pour nous, souvent, surtout des gens qui n'ont pas étudié, concrètement, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas voir. Mais quand vous leur montrez un exemple de vie ensemble, pour moi, ça leur permet d'être ensemble. C'est l'art qui peut permettre d'aider les gens à quitter ce que nous sommes là, ce que nous sommes actuellement. C'est l'art qui peut nous permettre de quitter là-dedans. Parce que la preuve que je sais que nous, à Gao, c'est vrai, on n'a pas les moyens, mais avec le petit de temps que nous faisons avec les populations, il y en a qui commencent à avoir confiance même et s'installent en ville. Voilà. Donc, quelque part, ils reviennent un peu. Donc l'art est un élément vraiment capital dans la vie des hommes et qui permet de faire oublier, hein, et de faire asseoir vraiment une certaine... En tout cas, éviter un sentiment de crainte. Hein. Donc ça permet aux gens donc, de stabiliser surtout et de ne plus avoir peur. La pièce était traitée en français, donc il fallait prendre ceux qui parlent surtout français. Sinon, la troupe ne se limite pas à ça seulement. Oui, bien sûr. Oui. Donc, il y a des gens qui parlent. Bon, au départ, j'ai dit c'est le français, je n'ai pas le temps de transcrire, il faut le faire en français. Parce que quand il vient à Bamako, nous, on veut que les gens comprennent. Il y a des gens à Bamako qui ne comprennent pas son rêve. Tu vas parler son rêve, ils ne vont rien comprendre. Oui, bien sûr. Mais en parlant français, peut-être ils vont saisir un peu de ce que nous voulons dire. Mmh. Voilà, donc c'est pourquoi nous, on a tenu à le faire en français, pas en langue. Voilà. Mais c'est vrai que pour que ça ait un impact, il faut que ça se passe dans la langue des gens voilà, à qui on s'adresse. Voilà. Parce que si les gens n'entendent pas, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que nous on a au cœur. Et nous avons vécu ce problème. Moi qui vous parle comme ça, je suis un de ceux qui n'ont jamais bougé de leur place. Donc je sais ce que c'est. Vous êtes resté tout le temps. Tout le temps. En dehors du chapeau de... directeur de la troupe Hanna, je suis en même temps un directeur d'école. Un directeur de... d'école. Uh-huh. Et les premières écoles qui ont réouvert dans la à Gao, pendant même l'occupation, mon école fait partie. Parce que les deux éléments-là, l'école et la culture, et là, c'est les deux éléments que j'ai compris. Ils sont des éléments capitaux pour faire asseoir les populations. Il y a des parents qui sont partis avec leurs enfants. Mais quand ils ont compris que l'école a réouvert, ils sont revenus parce que c'est l'école qui les a fait partir. Il n'y a pas d'école, ils sont partis avec les enfants là où il y a l'école. Mmh. Bon. Et là aussi, c'est vrai, bon, les gens n'ont pas compris comment nous on a fait, c'est vrai. C'est des gens, c'est vrai, ils sont là, mais nous, on a négocié ouvrir. Parce qu'on ne peut pas rester, nos enfants n'étudient pas, ils sont en train de... Bon. Ils ont accepté. Et aujourd'hui, voilà là où nous sommes. Hein? Donc c'est pourquoi j'ai dit que j'ai compris quand même que l'art est un moyen capital, en tout cas, de vraiment agir sur la paix et la réconciliation. Bon, donc je vais vous laisser le mot de la fin. Ah. Bon, le mot de la fin, c'est que, sincèrement, nous avons participé aux journées théâtrales de Guimba National. Sincèrement, nous sommes très contents. Et au nom de Gao, nous souhaiterions encore, si à l'avenir ces journées devaient se faire, être là, être présent pour représenter Gao. Ou bien en tout cas pour que nous puissions vraiment dire notre mot à travers l'art, hein, ce que pensent nous les gens de Gao. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec les troupes des autres régions? Si. Bon, vous étiez malade. Bon, j'étais malade, mais n'empêche, ils venaient chez moi. Ils me rendaient tous visite.
Chaque jour, ils venaient me présenter en tout cas une bonne santé. Et puis ensuite, on cause un peu. Et puis c'est vraiment, c'était la retrouvaille. Il y en a beaucoup parmi eux, surtout les directeurs de troupes. Nous nous connaissons depuis. Hein. Parce que même avec les biennales, il y en a, on a fait les biennales ensemble. Hein. Quand les biennales marchaient, on se retrouvait. Mais maintenant, c'est devenu chacun avec son groupe privé. Donc, n'empêche, hein, c'est vraiment une bonne retrouvaille. Hein. Et on a commencé à comprendre que c'est le monde de la culture, il est beau de se retrouver. Hein, et de communiquer hein, pour pouvoir connaître les difficultés des uns et des autres. Hein, et comment ça se passe chez nous, comment ça se passe maintenant chez vous, comme ça. Donc, ça passe de ce qui manque chez moi, actuellement, ce que je n'ai plus. Il y en a qui ont compris ça. Hein, ce qu'ils peuvent faire, ils vont le faire. C'est comme ça, on va s'entraider comme ça. C'est pourquoi ce rassemblement-là est très important. C'est très important pour moi. Finalement, c'est la première fois depuis que la biennale a été arrêtée. Voilà, première fois. C'est-à-dire depuis combien de temps ? Depuis la dernière biennale, de Sikasso seulement, qu'il y a eu la crise. Donc de 2008 à maintenant, ça doit faire 8 ans. Hein. Donc c'est la première fois C'est la première fois qu'il y a un truc comme ça. Voilà. Voilà. Là, c'est les journées qui vont, mais C'est à peu près une biennale. Un peuple sans théâtre est comme une grande conscience neutralisée par un sommeil sans fin. Aidez-nous à pérenniser ces journées pour que notre peuple ait la garantie du fait d'être surveillé à tout moment par une grande conscience, une conscience forte.